On est pas mal. Yo les gars, c'est Aurélien pour Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très gros concept. On va s'inspirer de la vidéo de Ola BMX. Peut-être vous le connaissez, c'est un pilote de BMX anglais. Il a installé un volant de voiture sur son BMX. Et moi aujourd'hui, je vais faire un petit remix. Je vais installer ce volant là sur mon vélo de pump track. Et on va aller sur la piste de pump track qui est derrière, faire des figures, faire des sauts. On verra tout ce qu'on peut faire. Alors, ce petit volant, je l'ai trouvé à la casse. Je leur ai demandé un volant, ils m'ont dit c'est pourquoi, machin. Ils m'ont pris un peu pour un fou. L'airbag a déjà pété, donc ça c'est pas grave. Hein. Moi je vais pas me servir de l'airbag. Normalement, il y aura pas de crash. Mais on va essayer de l'installer, de bricoler pour le mettre sur mon vélo de pump track. Premièrement, je m'échauffe avec le vélo ordinaire et après on installe le volant et on essaye les figures, voir ce qu'on peut faire. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on va se faire un petit tour de chauffe. On va se prendre, il y a trois lignes en gros, il y a la bleue, la rouge et la noire. On va se lancer des petits défis au fur et à mesure de la vidéo là, pendant que j'ai encore le guidon normal. Et surtout, ce qu'il faut, c'est se faufiler à travers les trottinettes, les skates et tout ça. Petit échauffement, let's go, en image, en musique. Bon, je suis chaud, ça y est. Oh, il fait trop chaud. Premier défi, ça va être le défi manual. Je me lance le défi, tu vois, de faire départ là où il est avec la trottinette. Là-bas, un peu avant, tu vois. En gros, je sors du wall. Il faut que je sois manual, manual, manual. Je fais toute la ligne. Après, il faut que j'arrive à faire le virage ici, manual aussi. Et que j'arrive à faire la plus longue distance de la deuxième ligne. Et on verra. Voilà, ce serait déjà pas mal. Le plus dur, c'est le virage ici, là. Allez, go. Ah, le premier c'est bon, il est validé. Je vais même aller au-delà de la bosse où je voulais aller. On passe au défi saut. On va se mettre sur la bosse de la noire et on va essayer de lancer quelques tricks. Allez, let's go. Allez, voilà pour le petit panel de figure. Alors, il y a eu lâcher une main, il y a eu le whip, il y a eu le T-bug. Je pense qu'on est pas mal, hein. On va rester dans le saut, mais cette fois-ci un saut en longueur, pas forcément en figure. Sur la bosse rouge là-bas, il y a une trip à faire. Il faut arriver très très vite pour la sauter. Vous allez voir. Du coup, c'est celle-là. Virage relevé à fond, faut que je prenne du speed. Et d'ici, faut que j'aille 7 mètres plus loin avec une toute petite récepte. Let's go! Voilà le saut que je voulais faire. Bon, on a fait pas mal de trucs. On peut juste se terminer avec des petites variantes ici sur la rouge. Et maintenant, j'ai trop hâte de mettre le petit volant là. Je pense que vous aussi. Allez, dernière et après on change. Bon bah voilà, on a bien rincé le pump track. Par contre j'ai vu que t'étais venu en trottinette électrique. Est-ce que tu me la prêterais? Allez, allez, juste là. Tu me la prêtes? Tu la prêtes? C'est parti. Allez, vas-y. Tu sais que je crois que j'en ai jamais fait en plus, hein, vraiment. J'en ai même jamais loué, tu sais, les Vélib, là, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu fais quoi, t'allumes là? C'est ça. Pose, ouais. Une fois. T'as plusieurs modes ou pas? Là je suis en mode sport là. Bon, ah, je mets la GoPro, ça vaut le coup, hein. Elle est d'origine là? Non, non, elle est débridée. Ah, tu l'as débridée? Ouais, elle prend 33 là. 33? Ouais. Là-dedans là? Ouais, là-dedans ça va être compliqué. Là, si je vais à 15, allez, ce serait déjà bien. Ça. C'est la course contre le BMX, vas-y. Course, trottinette contre le BMX. Oh, 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 j'ai rangé. Oh, oh, oh. Ah, c'est normal, c'est le jeu fonctionnel aussi ou... J'ai un tournevis si tu veux. Ce n'est pas fait pour faire du pump track. On oubliera. Bon allez, on va mettre un volant sur ce machin là, ce sera plus rigolo.
T'as de la chance, en plus c'est pas comme si c'était une vidéo bricolage. J'ai les outils normalement pour te la réparer là. Ton petit coup de tournevis là, il s'est réparé mon gars. Hop là. Tu peux y retourner du coup ou pas là? Bon, on va voir hein. Tu vois, c'est ça. Quand je prends la trottinette de Jordan qui est derrière la caméra, d'ailleurs vous pouvez vous me dire, toutes ces vidéos là elles sont filmées par Jordan qui est en stage dans mon entreprise pendant 8 semaines. C'est lui qui filme et qui monte les vidéos, donc vous pouvez lui laisser un petit message dans les commentaires. Et ben nous on part sur l'installation du volant sur mon vélo et le partenaire de la vidéo c'est Bang Energy, et là je pense que j'en ai bien besoin parce qu'il fait très très chaud. Une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie, goût pêche, petit iced tea bien, bien frais là. Ça passe vraiment bien. Du coup, petit volant, allez, on s'installe, viens voir. Je vais déjà commencer par enlever la potence, le guidon. Le frein arrière, il me sert à rien, du coup je vais devoir l'enlever. Et après, bah, on va installer le guidon sur une nouvelle potence, un nouveau truc. Let's go pour l'installation, c'est parti. Et au fait les gars, vous savez, j'ai créé ma boutique en ligne shop.aurelienfontenoy.fr. Maintenant il y a les casques Abus, il vient de sortir ce casque bol. On l'a mis sur la boutique, il y a aussi les bracelets, les t-shirts, les suites, les maillots de BMX. Il y a plein de trucs, les gants aussi, les gants de VTT. Donc allez-y, shop.aurelienfontenoy.fr. Ça permet de soutenir la chaîne, ça fait plaisir. On va mettre le volant maintenant. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah mince. Du coup j'aurais pu, tu vois, si j'avais une vis plus longue, juste poser directement ma vis qui servait, tu vois, à l'intérieur de ma fourche ici. Il y a ce qu'on appelle une étoile. Et en fait normalement tu vois sur ta potence, ça vient directement là et tu peux le serrer. Ça aurait été nickel. Mais seulement vu que là j'ai l'épaisseur du volant en plus, ma vis elle est pas assez longue. Alors ça va être le gars, j'ai quand même la solution. C'est que je vais me faire passer une tige à l'intérieur qui va ressortir là, qui va se poser là. Et après je vais la visser par le dessus. On va mettre le vélo à l'envers. Voilà, là je la lâche plus. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vieille potence parce que j'ai pas envie d'abîmer celle que j'ai d'origine. Je vais la mettre comme ça, après je vais poser mon volant. Tu vois pourquoi j'ai laissé cette partie là? Parce que comme ça mon volant, tu vois, il sera en appui sur ma potence. Là tu vois c'est là où tu mets le guidon normalement. Hop là j'y mets une grosse rondelle. Bon là j'ai qu'un truc papillon, mais j'aurais pu prendre un boulon. Je pense qu'en serrant bien ça fera l'affaire. Et voilà. Le danger qui aurait été bien c'est que ma vis soit poil plus courte. Si mon volant casse, bon bah je me prends la vis. Ça c'est le danger en plus. Et là pour éviter, tu vois, parce que même serré ça tourne un peu. Alors ce que je vais faire, j'ai pris une deuxième vis ici. Et là regarde, le truc qui est cool, il y a une des vis de ma potente qui a accroché le guidon normalement, qui tourne pile poil en face. Donc ça je vais le visser là, ça va me servir de butée en plus. Donc j'aurai deux points de serrage. Là ça tourne avec la potence. Là je serre la potence en dessous, comme ça ça tournera pas. Et on va voir si ça marche. Ça tourne, parfait. On remonte la roue avant et ça devrait faire normalement. J'ai trop hâte de le tester. Je sais pas si ça va être dangereux, marrant, un peu des deux, si on va pouvoir rentrer des figures. Bon bah voilà. Bon, du coup je vire le frein arrière, il me sert à rien. Vu que j'aurai plus de guidon, plus besoin de frein. Tac. C'est ça qui va être vraiment chaud. Claire, j'aurai pas de frein. Ouais. Il y aurait peut-être une option, tu vois. Je sais pas si en vrai ça serait possible de mettre un frein. C'est un peu comme une gâchette. Hein. Ce sera peut-être une deuxième vidéo ça. Il y a peut-être un truc à faire. Rajouter un frein ici, ça pourrait être stylé. Par exemple, le mettre sur un vélo d'enduro. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo si vous êtes chaud. Et j'essaierai de le monter sur mon VTT enduro, mais là il faudra des freins. Parce que s'envoyer dans une descente avec ça sans frein, c'était trop dangereux. Donc peut-être, tu vois, un peu sur le même principe comme ça, il y aurait peut-être moyen. Bon, on verra plus tard. Vidéo. Oh, ça a pas de la gueule ça. Je pensais que mon volant il allait être plus bas. Mais non, en vrai il est bien là. On met le casque et c'est parti. Je crois que ça fonctionne. Allez, on est pas mal. Du coup, bah il n'y a plus qu'à le tester. On va aller sur le pump track, on va y retourner. Il y a le petit skatepark aussi. Allez, let's go. Je vais essayer de voir le feeling que ça peut avoir là, juste sur le plat là. C'est trop bizarre. Il n'y a pas d'équilibre. C'est chelou. Attends. Je tente le premier saut avec. C'est trop bizarre parce que j'ai l'habitude d'un grand guidon, on est bien stable. Et là, vu qu'on a les bras tout serrés, on a l'impression d'être sur un vélo de route. Pour les bar spin là, ouais, ça c'est le top pour prendre les bar spin. J'essaye de rentrer mon premier bar spin. Wow! 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 C'est un peu casse-gueule l'histoire. Hein. Ah, un peu bougé mon volant là. Yes! Ça va, en vrai, ça a l'air de tenir. Bon, on va aller tester ça sur le petit pump track. J'ai envie de voir ce que ça donne maintenant en virage relevé. Premier petit saut, ça avait l'air de fonctionner. Le volant s'est pas encore arraché. Allez, petit tour de pump track, c'est parti. Je mets la GoPro, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Ma vue avec un volant. On va faire attention, il y a un peu de monde. C'est parti pour le premier tour. Ouais, c'est chelou. Yeah. Yo. Oufou. Oh. Ouah, ça fait flipper. Ouah, ça tourne sec. Ok. Ok. Là ça pompe là. Par contre, j'ai pas de frein, j'avais oublié. J'ai pas de frein. Ah, je suis en train d'enrouler là. Enrouler ma gnole. Faudrait que j'ai un frein au pied ou un frein ici, de ces gâchettes. Commencé à m'emballer un peu dans le pump track. J'ai eu un petit coup de pression là. Mais pas pire. Franchement, c'est des sensations nouvelles. J'aime bien. Je me refais un petit tour. J'avais envie de faire un enroulé. Peut-être le premier saut, mais à voir. Alors, le manuel. Hop. Ouah, je suis presque. Ok, sur celui-là. Voilà. Ça y est, j'ai la technique.
Et là, faut que je freine. Allez. Voilà, premier enroulé manuel, passé. Ici, je crois qu'on peut pas trop sauter les bosses. Du coup, on va aller sur plus dur. C'est la verte. On va là-bas sur la bleue maintenant. On va essayer de sauter la première bosse avec ce truc-là. Je commence à sentir le feeling, ça va être marrant. Du coup, on revient sur le pump track où on était tout à l'heure. Je vais tenter la bleue là. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit saut. Mais on va tenter. Je fais un tour de choc, un tour de bleu, un tour de rouge. Et après, on tentera peut-être les sauts sur la noire. C'est parti pour la bleue. Hop, on tente l'enroulé. Yeah. Ah là, par contre, j'ai pas de frein. J'arrive pas dans le virage. Ok. En vrai, ça va le feeling. Enroulé. Saut. C'est toujours les freins qui manquent. Hein. Ça va la bleue. Deux enroulés place. Je vais tenter le premier saut d'une double. Fin de la bleue là. Voilà où elle arrive en skate. Pas celle-là. Celle-là, elle est ronde. Je peux éventuellement. Soit celle-là, soit celle-là. C'est flippé quand même, hein. La position elle est trop haute, faudrait que j'ai le guidon plus bas en fait. Mais c'est un peu fait poney sur les deux, mais c'est passé. Je vais le retenter une fois un peu propre. Allez, c'est reparti, deuxième essai. Prends un saut, lâche ton plein. Ça part. Yeah. Ça faut que je prête. Il manque vraiment des freins, j'ai terminé là-dedans. Là. Prochaine étape, m'installe un frein à main. Bon, bah la bleue, ça c'est bon. Deux sauts, c'est validé. On part sur la rouge, plus dur. Il y a des virages qui sont pas mal serrés et il y a encore une table là-bas. Et surtout, l'objectif, c'est de faire le wall en métal là. Le gros wall ride qui est là-bas là. Il faut juste que mon guidon il parte pas en cacahuète dans le wall ride. Je sens que c'est pas très rigide quand même, hein. C'est un peu mou, tu vois, un guidon. Vu comme ça plie. Et là, dans le virage, ça fait. Allez, go pour la rouge. Ça va, c'est pas le wall qui fait le plus peur, c'est cet enchaînement là. Le pif, paf, virage à droite, virage à gauche. Je sens que j'ai mon volant qui s'écrase. Je pense qu'il va casser à la fin de la vidéo. J'espère pas parce que s'il casse, personnellement, je me prends cette vis dans le ventre. J'ai pas trop optimisé la taille des vis. Hein. Tente la double là. Enfin, je l'ai déjà fait tout à l'heure en sortant. Mais je vais tenter un petit truc. Faut que j'arrive à tourner le volant en l'air. Par contre, c'est confort, tu vois. Quand tu veux te poser là, c'est bien là. Bon, bah, plus qu'une seule ligne. La plus dure, il y a trois bosses importantes à faire. Deux, on va dire, simples de façon avec un guidon normal. Et la troisième, c'est la plus grosse. En step up, en plus, ça veut dire que ça monte et c'est très raide derrière. Et le feeling est très chaud. Et surtout, il y a un virage relevé en métal qui t'attend si tu rates un peu le truc. Le dernier défi, passer ces trois bosses. Allez, bah, let's go. Une. La troisième, j'ai vu la mort. Je suis arrivé comme ça. J'espère que j'ai pas cassé le guidon. J'ai entendu un crack sur la première. Bon, deux validés maintenant. La troisième, je la valide pas parce que vraiment, je suis arrivé en poney et je suis arrivé trop raide. J'ai jamais eu aussi peur avec un engin un peu particulier. Premier essai, une bosse. Deuxième essai, deux bosses. Normalement, troisième essai, ça passe. Hein. C'est reparti. On commence à voir quelque chose là. C'est pas encore le plus beau, mais c'est presque niveau réception, on est pas mal. Ce que j'aimerais vraiment, c'est réussir les trois propres. Là, je suis encore en mode poney, j'ai peur, je suis sur l'arrière. Faut que j'arrive à vraiment sauter. Et une belle réception, mais là, on est proche. Hein. Le 3. J'aurais pas mieux. Mon cœur, il bat à 10 000. Bon, bah voilà, c'était l'essai, le premier essai. Hein. Parce que si vous avez aimé le concept, ce guidon-là, je peux le monter sur mon VTT enduro. On peut rajouter des options, pourquoi pas rajouter des freins, ce serait une bonne idée. Le monter sur un trial, le monter sur un enduro. Vous me marquez dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode et avec quel vélo. Et puis pensez à liker, à vous abonner. Ciao les gars. Bonjour les gars. C'est dur.